Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais savoir qui est DBA ici, DBA opérationnel. Ok, personne n'est parfait. Non, c'est bien. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'une infrastructure hautement disponible. Comment l'implémenter chez OVH, mais voilà, d'une manière générale, pour que vous puissiez aussi en faire de même chez vous. Donc, je m'appelle Julien Rioux, je suis DBA depuis 2012, 6 ans et demi avant, quelques années avant. Et depuis 2015, j'ai intégré l'équipe de database à OVH en tant que tech lead. Donc en gros, je prends les décisions, tout ce qui s'affaire à de la base de données opérationnelle chez OVH. Si vous voulez, je me suis amusé à faire un outil qu'on utilise en production qui s'appelle PG Terminate pour contrôler la durée de vie de certaines sessions qui pourraient poser problème. C'est disponible sur GitHub. Donc dans un premier temps, je vais rappeler le contexte. Qu'est-ce qui nous a mis en... Qu'est-ce qu'on a choisi pour mettre en place de la haute disponibilité? Ensuite, on va parler des sauvegardes et restaurations. Un peu de business intelligence, même si ça va rejoindre beaucoup de sujets qu'on a parlé aujourd'hui. Un point sur nos mises à jour, et puis ensuite, une ouverture sur la suite. Donc tout d'abord, qu'est-ce que OVH? Est-ce que quelqu'un connaît ici OVH? Donc on connaît bien OVH. OVH, c'est un ensemble de produits, de manière générale, qui sont aussi bien dans le cloud, avec des serveurs virtuels, des serveurs public cloud, private cloud, ou du web hosting, ou de la télécom, voilà, tout un ensemble de produits. Et le point commun de tous ces produits, c'est qu'ils génèrent de la data, aussi bien pour pouvoir fonctionner, que pour aussi prendre des décisions dessus. Et le point, c'est vraiment un point central, c'est la base de données. Donc, le périmètre des bases internes chez OVH, c'est plus ou moins 60 clusters. Ce chiffre varie. Qui répartit sur 3000 applications. Avec 700 utilisateurs, les utilisateurs des bases internes sont principalement nos développeurs. Donc là, on ne parle pas de services publics, on parle vraiment des bases internes. Et sur en plus ou moins 400 bases de données. Donc en tant que DBA chez OVH, on va avoir affaire à un certain nombre de défis qu'on va devoir relever. Et le premier, c'est réagir vite. Parce qu'on a énormément de produits, ils sont tous critiques, et ils tapent tous sur une offre de base de données interne. Donc du coup, nous, en tant que DBA, on doit réagir très vite. En cas de panne, premièrement, on est alerté sur, avec un outil de monitoring. Ensuite, les développeurs vont voir que leur application ne fonctionne pas forcément, du coup, vont aussi venir nous voir. Puis ça va s'étendre au support, mais aussi sur des flux Twitter. Donc on a une visibilité qui est très rapide. Le moindre impact peut se voir très vite. Et aussi provoquer voilà, ce n'est pas que des services opérationnels, on héberge aussi des bases de données de facturation qui aussi, on parle d'argent. Voilà, donc toutes les DB sont critiques. Il faut savoir qu'on déploie ce type de cluster, mais ce cluster n'est pas réservé à Postgres. On a aussi des MySQL. Mais on utilise la même topologie, que ce soit pour MySQL ou pour Postgres. Jusque-là, classique, on a un primaire, un réplica, et un serveur de backup, que je vais revenir plus en détail plus tard. En gros, on a deux réplicas. Et les clients peuvent, donc les applicatifs peuvent taper, enfin écrire sur le nœud primaire et lire sur le nœud secondaire. Et aussi lire sur le nœud primaire. Du coup, chaque panne, à l'origine, on n'avait pas de promotion automatique. Donc ça veut dire que chaque panne renvoyait une alerte, il fallait que nous, on se réveille, ou potentiellement dans la journée, on était en réunion, voilà, on faisait nos courses, peu importe. Et il fallait qu'on réagisse le plus vite possible, mais avec un facteur temps humain qui est très long.
qui peut potentiellement mettre à mal la société. Donc du coup, on a choisi de, pour nous faciliter le travail et être beaucoup plus réactif, on a choisi une solution de promotion automatique. On a dû choisir entre plusieurs sur le marché. On a retenu Patroni, qui est devenu un standard ces dernières années dans la promotion automatique d'instances Postgres. De un, c'est Zalando qui participe le plus à son développement. C'est open source. Et ça reste un langage développé en langage Python, qui est un langage assez accessible. Je ne suis pas développeur à la base, et j'ai pu contribuer à ce projet. Comme quoi, n'importe qui peut contribuer. On n'a pas choisi d'autres solutions comme PAF, qui se base sur Corrosive Pacemaker, qui a une courbe d'apprentissage qui est un peu plus longue. Et d'autres solutions, le failover manuel, voilà, j'en parle pas. Donc Patroni, c'est un petit outil qui va contrôler l'instance locale Postgres et communiquer avec ce qu'on appelle un DCS, un Distributed Configuration Store, qui peut soit être Zookeeper, etcd, consul, voilà, c'est un système externe. Et c'est le point commun entre toutes les instances Patroni qui contrôlent eux-mêmes leur Postgres. Donc voilà, Patroni, ça va nous donner un ensemble de fonctionnalités très importantes. Donc la première, c'est la promotion. Donc ça va gérer les pannes de chaque nœud. Donc si un nœud tombe, un autre nœud va prendre le relais et va devenir primaire automatiquement. Ensuite, il existe une API qui permet d'exposer le statut de chaque nœud. Donc ça veut dire que si on peut savoir à un instant T si le nœud est valide ou pas, ou quel rôle il a, quelles infos, voilà, on a une API qui nous permet de savoir ça en temps réel. Et ça va aussi gérer la réplication. Donc si un nœud tombe, on va pouvoir reprendre la réplication sur le nouveau nœud de manière automatique. Tout ça, Patroni le gère. Donc comment se passe une promotion ? Donc un mot en plus pour le DCS. Cette brique-là va nous fournir la fonctionnalité de quorum. Donc ça fonctionne avec un système de lock. Donc le Patroni va demander des verrous. Et c'est le DCS qui va se mettre d'accord entre chaque nœud du cluster du DCS, qui est un service distant, et ils vont dire oui ou non. Mais ça, c'est avec un protocole standard type Raft, Paxos. Voilà. Donc du coup, comment se fait la promotion ? Patroni demande le lock. Ok, je peux l'avoir. Dans ce cas-là, ça veut dire que moi, mon instance en dessous, peut devenir le primaire. Et il va demander ce lock tout le temps. Donc quand il arrête de le demander, potentiellement un autre nœud qui va faire la même chose va récupérer lui-même le lock. Donc du coup, le deuxième défi, c'est automatiser. On n'a pas envie, à 3h du matin, de savoir mince, quelle promotion s'est faite, vers où je vais faire ma réplication, vers quel serveur, comment faire un PG-based backup. Non, on a juste envie que ça marche, c'est tout. Enfin, on a envie de dormir aussi. Donc du coup, on va automatiser. Patroni nous permet d'automatiser la réplication. On va le gérer pour nous. Donc comment ça se passe, c'est que, imaginons qu'il y ait déjà eu un primaire d'élu. Eh bien, il va toujours demander un lock. On va lui redire, le DCS va lui dire non. Mais alors, ce n'est pas que des locks. Il y a aussi des informations dans ces locks. Celui qui a le lock va pouvoir écrire quelques informations dedans. Donc, va pouvoir donner des informations aux autres sur qui a le lock. Et justement, Patroni utilise cette information pour savoir mais qui est le leader. Eh bien, le leader, c'est le node 1. Ben, je vais créer la réplication vers le node 1. Et comme ça, tous les nœuds du cluster ont réussi en cas de panne ou en cas de bootstrap de se mettre dans un état cohérent de manière automatique. Mais ça ne fait pas tout. OK, on a nos serveurs qui
on subit une panne, mais qui refonctionne et tout ça. Mais comment l'applicatif lui-même peut rejoindre le bon serveur à un instant T? Parce que chaque serveur peut devenir primaire à n'importe quel temps de la vie du cluster. Donc, le deuxième défi, c'est rediriger le trafic. Sachant que nous, à notre niveau, nos clients, nos développeurs, on n'a pas forcément la main sur l'applicatif distant. On ne va pas pouvoir changer les connection strings. Il faut que ce soit le plus dynamique possible. Donc on a choisi les briques suivantes. Achat proxy pour le load balancer, qui est un outil standard. L'API patroni, pour pouvoir avoir en temps réel l'état des nœuds. Et Conv-D, que je vais évoquer juste ensuite, qui nous permet de faire du service discovery. Donc achat proxy, on l'utilise en mode TCP, parce que le protocole Postgres est du, achat proxy n'a pas de mode Postgres, on ne comprend pas le mode Postgres, du coup on utilise le mode TCP. Mais on utilise des probes HTTPS, pour le coup on peut l'API aussi compatible SSL, avec deux pools de connexion, un pour la lecture seule et un pour la lecture-écriture. On n'a pas rajouté de brique qui fait de split lecture-écriture devant. Il y a déjà pas mal de briques. On a décidé d'avoir deux pools de connexion. C'est quand même plus simple. Du coup, HA proxy, on avait un problème avec les reloads. HA proxy va découvrir un certain nombre de statuts, va aller parcourir la liste des serveurs, et va aller requêter l'API pour savoir si c'est bon ou pas. Mais ça génère un certain nombre d'informations qu'on peut perdre si on redémarre l'instance. Et du coup, depuis les dernières versions, il existe le server state base avec une commande qui permet de sauvegarder, de persister ces informations pour pouvoir redémarrer sans avoir un mode par défaut qui est le serveur est down. Donc comme ça, on ne perd pas de connexion, ou le moins possible, vraiment le moins possible. L'API patroni, on l'utilise de cette façon, aussi simple. Est-ce que c'est un nœud primaire? 200 OK pour HTTP OK. Est-ce que pour le même call, on va faire slash replica? Il va dire 503, c'est pas un replica. Donc il va renvoyer vers le primaire, si c'est un primaire, bien sûr. Conv-D, donc on a les probes qui nous permettent d'avoir la vue dynamique, mais Conv-D, c'est par exemple si on ajoute un serveur, on veut qu'il s'ajoute automatiquement dans la configuration d'HA proxy. On ne veut pas avoir à faire une action manuelle de modifier la conf d'HA proxy pour lui ajouter le serveur. Ce serait beaucoup d'opérations humaines ou automatiques avec error prone, quoi, avec des erreurs potentielles. Donc Conv-D, c'est un outil qui permet de découvrir les nodes. Donc en gros, il communique avec un ensemble de style Zookeeper, etc., un ensemble de CS, de DCS listés, pour pouvoir découvrir les nodes, créer la configuration HA proxy, vérifier la configuration HA proxy, si jamais il y a par malheur le fichier n'est pas bon, le fichier généré n'est pas bon, et reload le service. Là, je parle d'HA proxy, mais Conv-D générique, on peut utiliser aussi pour faire d'autres choses. Donc voilà un peu le statut de nos serveurs. On a toujours nos trois nœuds. Voilà, c'est pas très visible, bien sûr. Mais en gros, si on se focalise sur les trois sections, il y a la section des stats, il y a la section read-write pour les flux de lecture-écriture, read-only pour le flux de lecture, et on va mettre tous les serveurs. Et en gros, c'est les probes qui vont dire si le trafic va être envoyé au bon endroit ou pas. On enlève les serveurs qui sont down, c'est normal, parce que tous les serveurs n'ont pas tous les rôles, ça serait absurde. Il nous reste deux serveurs up. Donc pour le read-write, on voit que le primaire, c'est le node 2. Et pour le read-only, c'est le node 1. Donc là, il n'y a pas de risque de split brain. Non seulement le lock n'est attribué qu'à un serveur, et en plus, la répartition de charge ne renvoie que vers un serveur. Ou plusieurs, si on a une liste de serveurs en read-only, pour le coup. Et du coup, les trois back-ends sont up, donc le service est OK. Voilà. Donc là, on a un load balancer, mais où on le place dans l'infra?
Nous, on a choisi de le placer au plus proche de chaque nœud. Comme ça, chaque nœud est indépendant et on ne va pas avoir une brique supplémentaire. On va gérer un cluster de load balancer qui, voilà, c'est plein de serveurs en plus. Ce n'est pas forcément l'idéal. Donc, on a mis DHAProxy sur chaque serveur. Mais du coup, il faudrait une liste de serveurs sur lesquels se connecter. Depuis les dernières versions de la libPQ, on peut mettre un ensemble de connexions. Je crois que c'est à partir de la version 10 ou 11. 10, il me semble. Nous, on n'est pas encore à cette version. On est à la dernière version. On est en 9.6. Donc, du coup, on ne peut pas utiliser cette feature. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, classique, on a mis une VIP devant chaque serveur qui va s'occuper de monter l'adresse IP au bon endroit. Ça fonctionne avec des gratuit use ARP. Donc, ça fonctionne avec une priorité. Donc, chaque nœud a une priorité. Et du coup, grâce au protocole Keep Alive DVRP, on s'occupe de monter la bonne IP. Une petite astuce ici, on utilise le paquet Debian IP Utilise ARPing et ARPing moins grand U moins C4 IP pour pouvoir envoyer des gratuit use ARP. Dire OK, je dis à tout le monde de mon réseau, l'IP que je viens de monter, c'est moi qui l'ai, quoi. Et envoyez bien vers moi, quoi. Parce que des fois, il se peut qu'en montant l'IP, ben, la moitié des serveurs, la moitié des applicatifs renvoient bien vers la bonne IP et l'autre tombe en erreur, on ne sait pas pourquoi. Et du coup, c'est à cause de l'ARP. Donc ça fait une infra de ce style-là, avec tout en haut les clients, qui tapent sur une VIP, qui vont vers des load balancers, les load balancers, Patroni, et tout ça, c'est sur chaque serveur, en fait. Et les backups ne renverront jamais le trafic, puiqu'on a une option dans Patroni qui nous permet de dire « ne renvoie jamais ce trafic-là » et ne devient jamais primaire non plus. Donc on peut avoir un minimum de contrôle sur les serveurs qu'on gère. Et voilà, ça c'est notre tête quand on est d'astreinte. Et la preuve, je suis d'astreinte en ce moment et on n'entend rien. Donc, bon, merci le mode silencieux. Non, voilà, on est vraiment soulagés et on a réduit le temps de panne considérablement. Par contre, c'est pas tout rose. Il y a aussi des trade-offs. La brique de load balancer n'est pas transparente. Donc ça veut dire que l'IP qu'on verra dans les logs, par exemple, c'est l'IP du nœud voisin ou de son propre nœud. On ne verra pas l'IP du client final. Donc si... Pour débugger une slow query, par exemple, qui a mis plusieurs secondes et qui n'a pas lieu d'être ou qu'on veut optimiser, on verra, on ne peut pas se baser sur l'IP en l'état. Pareil pour le PGHBA, ça peut poser des problèmes de sécurité, de rentrer une range d'IP du cluster, alors qu'en fait on voudrait restreindre les clients et pas le cluster lui-même. Donc, il existe un protocole qui s'appelle le protocole proxy, qui a été initié par HAProxy, qui ressemble au header HTTP, si vous avez fait un peu de web, X-Forwarded For. Donc, en gros, ça met des informations à l'intérieur. Et en gros, là, c'est la même chose, mais au niveau du protocole directement. Donc, libre aux applicatifs de l'implémenter. PGBouncer peut rajouter cette information dans l'application name, par exemple. Nous, du coup, on utilise l'application name pour non pas mettre l'IP, parce qu'on a amélioré, on a mis carrément les clusters, parce qu'on a des microservices qui viennent tous d'un cluster d'IP identique, donc on a mis l'application name directement dedans, avec une application name unique. Pour le protocole proxy, on a commencé à essayer de l'implémenter sur PGBouncer, mais ça reste du C, ça reste... Le protocole est simple, mais du coup, c'est un peu au-delà de nos compétences. On fait ce qu'on peut, quoi. Voilà. Du coup, le prochain défi qu'on a à relever en tant que DBH et OVH, c'est comment on fait pour retrouver ces données, ou les trouver, si jamais on a un problème. Du coup, je vais vous parler des systèmes de sauvegarde et de restore chez OVH. Les contraintes, c'était, on veut se prémunir d'un accident logique, par exemple. Un développeur qui aurait historiquement un accès à la prod, qui, voilà, normalement,
n'a pas d'accès, mais il se trouve que historiquement il y en a, fait un drop d'un objet quelconque, une database par exemple, ouais, ça arrive. Les sauvegardes vont pouvoir nous et surtout les restores vont pouvoir se prémunir de ça, ou un accident physique, panne hardware, ou là on veut aussi analyser les données il y a quelques temps. Voilà. On voulait que ces backups ne soient pas impactants en termes d'IO, de verrou, sur le cluster existant. Donc on ne voulait pas que les applicatifs ressentent ce problème de backup. Par exemple, quand on fait un PG-based backup, il y a un checkpoint qui se fait, ça peut générer des IO. Donc ce genre de mésaventure, on voulait éviter. Il faut savoir qu'on a aussi du MySQL. Donc ce n'est pas que choisir un outil Postgres, c'est bien. Je vous invite à le faire. C'est maintenu par la communauté, ou c'est super. Mais nous, on ne voulait pas maintenir deux systèmes séparés, un pour MySQL, un pour Postgres. S'il y en avait un qui faisait les deux, relativement simple, ça nous allait. Et du coup, très important, on ne fait pas de sauvegarde sans test de restauration. Sinon, on n'a pas de sauvegarde. Parce que c'est pas le jour où on va vouloir restore que, ah mince, le backup il marche pas, qu'est-ce qu'on fait quoi. Voilà. Et du coup, notre infra ressemble à ça. On a dédié un serveur de backup, donc un deuxième réplica, où il n'y a pas de client qui se connecte dessus. On va le mettre sur du ZFS, donc on fait des snapshots file system. Et ZFS, c'est vraiment magique. Du coup, on fait ces snapshots consistants. On peut se permettre d'arrêter le service sur ce nœud complètement. Donc, on peut aussi envoyer des fonctions et tout. Nous, on décide d'arrêter complètement. Parce que, alors, autant j'ai confiance sur Postgres, sur MySQL un peu moins. Et du coup, ces snapshots, on les envoie vers un autre data center ou pour archivage. Mais aussi, on les utilise pour les envoyer vers des serveurs virtuels dans un environnement isolé, ça va de la prod vers le dev et pas l'inverse, pour faire des restores quotidiennes sur des instances de dev. Donc comme ça, nos développeurs dans leur environnement peuvent avoir les données de la prod, moyennant quelques scripts qui pourraient anonymiser les données, peuvent tester leur applicatif sur les données les plus récentes possibles. Sans toujours, le gros point, c'était sans impacter le cluster en prod. Donc, on a un nouveau défi, c'est de... Ok, c'est bien d'avoir des données, ça marche, on génère... voilà, tout fonctionne, tout est rose, mais ça serait mieux si on pouvait les analyser et en tirer quelque chose. Donc, en gros, on a une infra de Business Intelligence. Voilà, je vais rappeler rapidement la différence entre OLTP et OLAP. OLTP, c'est globalement... c'est beaucoup de petites transactions, très courte, mais en grand nombre. Et l'OLAP, c'est l'inverse, c'est potentiellement une requête qui peut mettre plusieurs minutes, plusieurs jours, et qui va potentiellement toucher toute la base. Donc, le problème, c'est que ces deux workloads ne se mixent pas bien ensemble, clairement. L'un va bloquer l'autre. Et celui qui est important ici, c'est vraiment l'OLTP. Les petites transactions qui permettent de faire vivre le système, et l'autre, ben voilà, c'est comme on l'a suffisamment dit aujourd'hui, le but c'est de l'extraire le plus rapidement possible ou de faire en sorte que ça ne bloque pas le système d'origine. Donc on a une infrastructure de ce type. Donc comme le disait Ronan tout à l'heure, nous on utilise la même chose, on utilise Wall2JSON, par contre on ne va pas restaurer dans des instances Postgres. À notre niveau, les DBA internes, on les envoie dans une... Il y a des agents qui sont gérés par l'équipe de Business Intelligence qui vont aller créer des replication slots logiques, les décoder avec Wall2JSON et les envoyer dans un Kafka, dans une queue. Et après... C'est l'infrastructure Big Data, dans les détails c'est de Hadoop, HDFS, HBase, de ce style-là, et potentiellement d'autres solutions, qui vont faire leurs requêtes de leur côté avec les données,
Et on va pouvoir aussi exporter, donner des accès à ce stream à d'autres équipes qui en auraient besoin aussi, tout en impactant le moins possible le cluster d'origine. Et aussi, pour les requêtes qui ont besoin de données en temps réel assez consistantes, mais qu'on a besoin quand même de faire des grosses requêtes, on va, à la demande, mettre des réplicas, qu'on appelle des réplicas analytics, qui n'ont pas du tout les mêmes thresholds d'alerting, qui, par exemple, peuvent laguer pendant une journée. C'est pas pour autant qu'on va mal se porter. Donc on peut toujours avoir la possibilité de faire des grosses requêtes, mais toujours sur des réplicas différents, complètement identifiés, et qui ne font que ça. Un des gros défis qu'on a chez OVH, c'est que, bien sûr, on est là depuis 1999, donc il y a beaucoup d'historique, c'est qu'on a une inertie pour mettre à jour nos systèmes. Donc du coup, comment on met à jour nos systèmes ? Il faut savoir que cette méthode que je vais présenter, on l'utilise très rarement. Maintenant, on a automatisé. Mais c'est pour promouvoir aussi un produit qui peut vous être utile, qui s'appelle Cluster Shell, qu'on a beaucoup utilisé. En gros, ça fonctionne par groupe. On peut faire des inclusions de groupe. En gros, c'est du SSH parallèle. On peut envoyer des commandes sur un ensemble de serveurs en méthode parallèle. C'est du Python, c'est open source. Voilà. Donc du coup, là, une méthode basique, je peux envoyer une commande sur le cluster Patroni, par exemple, sur l'ensemble des serveurs Patroni, ou sur l'ensemble des serveurs Patroni, mais du cluster 69. Donc petit clin d'œil à nos amis du Rhône. Ou sinon sur une liste de serveurs séparés par des virgules. Donc on peut faire à peu près toutes les combinaisons possibles de serveurs si on a un inventaire quelque part. Soit fichier, soit API. Donc du coup, ici, on peut faire un PSQL moins C chou version sur le node 1 à 3 et on arrive avec un batch. Et du coup, on peut faire facilement un pt-get upgrade sur une liste de serveurs. Ça, c'est la méthode manuelle. Nous, avant, on ne fait pas de mise à jour comme ça. En gros, on planifie, on s'assure que ça ne va pas faire tomber les applicatifs. On le fait à un horaire le moins impactant pour nous, qui est en général tôt le matin en Europe et tôt le matin au Canada. C'est plutôt cette partie-là qui nous prend du temps. Et maintenant, c'est automatisé, donc on n'a plus de problème. Et voilà, une fois que c'est réalisé, on a bien la dernière version qui a peut-être changé. Et je pense que demain, il y a une nouvelle version mineure qui va changer. Donc je vous invite à mettre à jour vos serveurs. Pour les versions mineures, c'est assez c'est sécurisé, vous pouvez le faire et il faut le faire. Pour les versions majeures, c'était un peu plus compliqué. On revient en 2015, on était avec du Postgres 9.2, qui n'est plus supporté aujourd'hui, bien sûr, sur du Debian Widi. La particularité ici, c'est que les sysadmins de l'époque avaient choisi de se baser sur les repos de Debian uniquement. Pas de repo d'éditeur, voilà, que Debian, et on valide que les paquets Debian. Bon, 9.2 n'était pas disponible dans les repos, donc voilà, ça n'avait pas forcément de sens. Mais du coup, c'était un repackaging de Postgres 9.2, parce qu'il y a un mythe qui dit que les versions paires sont plus stables que les versions impaires. Ça n'a pas de valeur, mettez à jour. Quoi. Donc, en 2015... L'infra de Business Intelligence commençait à arriver. Donc on avait le besoin d'avoir du logical decoding, de la réplication logique. Et à l'époque, on allait tendre vers de la 9.4. Donc on est passé par plusieurs chemins. La première idée, c'était, on va faire une migration applicative. On va dire aux développeurs, voilà, vous avez deux systèmes, faites les écritures d'un côté, faites la même chose de l'autre, de toute façon c'est le même point, donc allez-y. Non, ça marche juste pas, ça prend trop longtemps, il y a trop d'équipes, et chacun fait à sa sauce et on ne peut pas contrôler, ça marche pas. La deuxième méthode, c'était pgdump. Ça marche bien, ça marche extrêmement bien, jusqu'à une certaine taille. Donc c'est bien pour les petites bases, parce qu'en fait, on va, au moment où on fait le dump, pour avoir une consistance
pour la restore, donc le temps de dump et le temps de restore, il faut qu'il n'y ait aucune écriture. Ou sinon, on les stackait quelque part et les rejouait après. Mais du coup, nous, il fallait qu'on bloque tout, littéralement. Donc, plus on allait bloquer, plus on aurait des problèmes. Donc, PG dump pour les petites bases. Et une mauvaise image que pourrait avoir, par exemple, dans le monde MySQL, MySQL Upgrade, j'avais la mauvaise image de PG Upgrade. Eh bien, en fait, pas du tout. Ça marche du feu de Dieu. Et c'est très rapide. On peut l'utiliser avec les hard links. Et on peut avoir un downtime de quelques secondes. Donc, on est arrivé en 2017 avec Postgres 9.4, toujours lié au repo Debian. C'est pour ça qu'on n'avait pas une version supérieure à l'époque. Et on avait la possibilité de faire du logical déconnect. Il faut savoir que là, je parle des outils utilisés, mais la méthode, en général, c'est on a un premier cluster, on met en réplication un deuxième cluster, et donc on réplique entre les deux, avec soit le pgdump ou pgupgrade, avec un premier test, au moins pour cette partie-là. Du coup, on a toujours deux clusters en parallèle. Et on a réutilisé cette méthode pour continuer, pour arriver en... pour encore mettre à jour, parce qu'on n'était toujours pas en HA. Quoi. On était en Postgres 9.4, toujours manuel, en 2017. C'est il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'était aussi l'occasion d'utiliser les repos Debian, clairement. Comme ça, on pouvait décorréler la version de l'OS par rapport à la version de Postgres. Et donc, on est parti. Comme on avait la réplication logique, on s'est dit, on va utiliser la réplication logique pour faire nos migrations. Donc, on a utilisé beaucoup de PG Logical en version communautaire. Donc, peut-être que les soucis qu'on a rencontrés sont corrigés dans la version, la toute dernière version. Ça marche très bien, sauf quelques cas particuliers que je vais évoquer juste après. Donc, c'est un très bon produit. Je vous invite à l'utiliser, c'est génial. Toujours PG dump, toujours PG upgrade, quand les premiers ne fonctionnent pas. Et on est arrivé avec tout le parc à jour. En 2019, avec du Postgres 9.6, un Debian à jour, et sur du Patroni. Et donc, les soucis qu'on a pu revoir avec PG Logical, c'est que la réplication logique, c'est bien, mais à un moment, dans le process de setup, il y a une fonction qui va enregistrer toutes les tables dans la réplication logique. Cette fonction pose un lock assez élevé et il suffit que des applicatifs posent eux-mêmes des locks très élevés, justifiés ou pas, voilà, mais du coup provoquent éventuellement des deadlocks. Donc c'est un risque. Bon, là, il s'avère que ce n'était pas PG Logical le problème, c'était l'applicatif. Et ensuite, un souci qui peut arriver. Et on a une seule base chez nous qui, en Postgres, n'utilise pas l'UTF-8 comme encoding. Il se trouve que c'est la base de facturation, donc la plus importante. Super. Et du coup, on s'est dit, voilà, c'est l'occasion de passer aussi en UTF-8. On sait que les données sont clean, on sait que ça fonctionne, tout ça. Les données n'étaient pas forcément clean. On a eu un autre souci derrière qui a fait qu'on a abandonné l'idée, mais en gros, le charset doit être identique entre la source et la destination. Parce que ça utilise une réplication binaire. D'ailleurs, je reviens dessus, il existe un plugin PG Logical qui fait du décoding binaire. Donc ça peut aider pour remplacer Wall2JSON. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau ça peut être remplaçable, mais c'est une idée. Et aussi, la réplication logique de nature ne réplique pas les séquences, donc les next value des séquences, ce genre de truc. Donc il y a un processus pour les mettre à jour nous-mêmes. Et on utilise énormément de... beaucoup de business logic dépend des séquences chez OVH. Et c'est pas forcément une bonne idée. Donc si vous pouvez éviter, évitez. Parce qu'on se retrouvait voilà, clairement avec des duplicate keys, juste sur la séquence, hein, pas sur le reste, mais parce que voilà, y avait du code un peu farfelu quelque part qui faisait des trucs, et aussi que c'était une étape supplémentaire dans la mise à jour. Donc l'erreur humaine arrive, et voilà, on arrive à ça.
C'est facilement corrigeable, on peut prendre la max value, voilà, on peut s'en sortir, mais sur le moment, on a la grosse goutte de sueur qui tombe. Quoi. Donc PG Upgrade, utilisez bien les hard links, ou si ça ne marche pas pour vous, ne les utilisez pas, mais nous on les a utilisés, ça marche. Et pensez bien à mettre à jour vos statistiques, parce qu'en gros, Postgres va mettre à jour des statistiques de lui-même au fur et à mesure de la vie de l'instance. Quand on fait un PG Upgrade, ces statistiques ne sont pas reprises et du coup on peut arriver avec des mauvais query plans et du coup des mauvaises requêtes et on arrive à ça. On voit peut-être pas très bien les graphes, mais on voit des gros pics avec c'est de la load réelle avec 200 de load. Donc c'est pas énorme, j'ai déjà vu pire, mais bon, 200 ça commence à. Commence à être beaucoup. Et bien sûr, la prod par terre, des requêtes qui bloquent tout. Voilà. Et c'est marqué noir sur blanc dans PG Upgrade. Faites bien attention, quand un outil vous dit noir sur blanc de mettre à jour quelque chose, faites-le. Voilà. Et pour tout le reste, on n'a pas eu le problème parce que soit elles étaient petites, soit on n'avait pas oublié l'état. Donc du coup, automatiser, c'est le nerf de la guerre. Donc en conclusion, on a une meilleure disponibilité. Meilleure stabilité, puisqu'on a tout rafraîchi. On a moins d'alertes, puisque Patroni gère tout ça pour nous, et moins d'administration. Et du coup, de toute cette expérience-là, on a vu qu'il fallait automatiser, on a vu que le failover automatique, ça marchait bien. On s'est dit, bah, pourquoi pas le proposer comme un service. Du coup, on va lancer une offre de base de données as a service. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le lab, on sera ravis de vous répondre. Avec un axe sur, on réutilise la même solution. Donc, nous, on est les premiers clients. Ça, c'est très important. Comme ça, on est les premiers à avoir les bugs éventuellement. Élasticité, la réversibilité. Le problème des cloud providers américains, européens, j'en vois pas beaucoup, c'est la réversibilité. C'est-à-dire que Postgres, quand on va prendre un Postgres chez eux, où on ne va pas forcément pouvoir créer une réplication, on ne va pas forcément pouvoir retrouver ces données dans le format dans lequel on le voulait. Il manque cette réversibilité. Nous, c'est vraiment un point important pour nous. Performance, gérer, donc on fait tout pour vous, hautement disponible. Voilà. Du coup, cette offre-là est complètement automatisée. Toutes les erreurs qu'on a faites, on ne les reproduit plus. Mais la suite. Ben, on est quand même en 9.6. Quoi. 9.6, c'est maintenu, mais ça reste pas tout récent. Donc du coup, la Postgres 9.12 vient d'arriver en bêta, va probablement arriver dans l'année en stable. Et du coup, ben, pourquoi pas planifier dès maintenant la mise à jour vers Postgres 12. Et du coup, pareil pour Debian, la même chose que Postgres, Debian vient d'arriver avec une nouvelle version cette année. Ce sera l'occasion vraiment d'avoir les toutes dernières et de rattraper le retard qu'on a accumulé sur les dernières années. Et aussi, on a vu que ben, comme on était technologiquement plus avancé avec Postgres, attention, avec MySQL, on peut aussi très bien avoir un système à jour, mais nous, le contexte fait que notre MySQL n'est pas le plus beau du monde. Quoi. C'est vraiment, il y a un travail énorme à faire dessus pour le mettre à jour. Du coup, pourquoi pas passer nos MySQL vers Postgres, qui lui est déjà à jour dans nos systèmes et qui fait déjà extrêmement bien le travail. Surtout qu'on n'a pas de contraintes, que ce soit MySQL ou Postgres, nous, à notre niveau, on a un ORM, il ne faut pas l'utiliser. Maison, encore moins. Voilà. Donc, lui est compatible avec les deux. Et automatiser. On a encore des endroits où ce n'est pas vraiment bien automatisé, du coup, on va continuer là-dessus. Si vous voulez, si ces défis vous intéressent, n'hésitez pas, on recrute tout profil, dont des DBA, des développeurs, des sysadmin, tout ce que vous voulez. Il y a sûrement votre place. Et je rappelle qu'on a un stand juste à l'entrée, donc si vous voulez poser plus de questions, que vous n'avez pas assez, que vous avez des zones de flou ou quoi, on est là pour y répondre, donc n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? Thank you.